Bonjour! Aujourd'hui, on va faire la pizza carnivore. Alors, au robot, le cutter, la touche puce pour découper 150 g de poivron jaune et 150 g de poivron rouge. Voilà, comme ça ira. Puis on les fait cuire jusqu'à ce qu'ils rentrent plus de jus. Une fois sué, on ajoute 3 cuillères à café bombées de miel et une cuillère à soupe bombée de paprika. On fait cuire juste que ça soit comme ça là. Et puis, c'est vraiment de liquide. Puis on ajoute 150 g de ketchup hors du feu. On sale, on poivre, on mélange, on goûte, on recommence si nécessaire. Cette sauce est pour toutes les viandes, version caramélisée. Porc, poulet, bœuf, canard, cuisse de canard. Ensuite, il faut désosser, voire dégraisser de la viande. Alors moi, je vais mettre 2 échines de porc et 2 cuisses de poulet. De cuisse le haut et aussi des steaks mais ceux-là je les ferai cuire quand à la fin de la cuisson de la pizza. On va faire griller le reste de la viande, puis on va décongeler de la sauce tomate maison. Je vous rappelle que dans la recette de cette sauce tomate, on peut changer les légumes, on peut changer la viande. Voilà, alors juste griller des deux côtés. La viande n'est pas encore cuite. On finira de la cuire en fin de cuisson de la pizza. On la laisse tempérer dehors. Pendant ce temps, sur la plaque noire du four à l'envers, on met un cercle à la tarte, une pâte. On enlève l'excédent de papier. Ensuite, on fait une chiffonnade de chaque viande à part. On répartit en nombre de services chaque type de viande. Et le jus de cuisson, on le partage aussi. Moi, j'ai 2 services là. Puis, on met la sauce dans la pâte. Et on fait cuire au milieu du four, devant le ventilateur, départ à froid 180 degrés, ventilé. Pendant ce temps, on va râper suffisamment de mozzarella de cuisine avec la grosse râpe. Hein, c'est tout mou, ça ira plus vite. Quand la pâte est dorée dessous, moi ça a mis 25 minutes. Vous mettez le fromage et vous re-enfournez quelques minutes le temps que le fromage fonde. C'est le moment de faire cuire la viande rouge et de finir de cuire la viande blanche. Voilà, la pizza, le fromage est fondu. On enlève la pizza du four sur une volette à pâtisserie sans papier cuisson. On mélange la sauce et les viandes. Bon, là, je vais faire en 2 fois, moi. Mais voilà, bon appétit!